Alors, j'ai participé à l'écriture d'un article sur la débistrotification de la ville de Bitche. C'est simplement s'intéresser à l'histoire de la ville à partir de sources historiques, mais aussi de réflexions et d'échanges avec des habitants du territoire pour savoir un petit peu ce qu'étaient devenus nos bistrots de cette ville de garnison et de réfléchir à l'impact du départ de l'armée. Donc, le départ des militaires, par exemple, annoncé à la suite de la fermeture d'un certain nombre de régiments, évidemment, et à la suite aussi de la fin de la conscription décidée par Jacques Chirac en 1996, eh bien, a conduit de manière assez mécanique à la fermeture de la voie ferrée, par exemple. Donc ça a des conséquences. Ce sont des sujets très actuels, hein, c'est ce qui a été retenu, d'ordre sociaux. Donc Société d'Histoire, pour nous, c'est bien souvent un angle histoire, patrimoine qu'on a pu apporter sur les 2-3 années de collaboration. Cet ouvrage, on a décidé de l'organiser en 3 grands chapitres. Les paysages, donc les héritages et les dynamiques. De façon à ce qu'on revienne, si vous voulez, hein, on peut le traduire autrement, sur le passé, évidemment. Le présent, hein, tel qu'il se dessine, et puis la manière dont il peut potentiellement évoluer.